C'est bien moi, après 4-5 jours sans avoir vlogué, me voilà de nouveau. Et oui, je porte bien le collier lion de ma box. Là, je le porte en raz-de-cou parce qu'on peut le porter de les 4 façons. Donc comme ça, normal, long jusqu'ici. Juste en pendentif, j'aime bien. Donc avec le fermoir toggle, la petite barre, ça permet de faire plusieurs choses. Là, c'est juste glisser en fait le fermoir pour que ça tienne. Et bah en bracelet aussi. C'est super joli en bracelet. Notamment quand j'avais mis le vernis rouge, je trouve qu'il ressort super bien. Et même si je ne vais pas vous parler de ma box tout le temps, on est d'accord dans ce vlog, juste petite précision, j'en ai parlé sur Insta. En fait, ce qui se passe, c'est que eh bien, là, ça stagne au moment où je vous parle à 68 box. Comme si, en fait, parce que je disais que je recevais des messages des gens qui disaient j'ai hâte de pouvoir la commander, mais en fait, vous pouvez la commander. Là, je suis à 113% en fait, mais ce n'est que le début, et surtout, il faut vraiment que la jauge augmente pour que mon projet soit viable, puisse se développer. Le fameux, je l'aurais dit, les 60, c'est parce que il faut mettre quelque chose, et j'ai pas osé mettre 120, sinon j'aurais mis 120 pré-vente direct. Voilà, donc je vous le précise ici. Donc on continue, on ne lâche rien, on y va, on communique. Et parce que ça vaut vraiment le coup. Là, je suis en train de vous commencer à préparer. Il y a d'autres petites choses pour la box que vous recevrez. Parce que là, vous pouvez avoir celle de juin, celle de juillet et celle d'août. Et bah, je bosse aussi sur des petites choses qui seront en plus. Enfin, si vous commandez, vous allez voir tout ça. J'ai enfin. Hier, j'ai rien compris. En fait, je vais à la pharmacie et je demande, oui, à tout hasard, est-ce que ce serait possible de se faire vacciner? On m'a dit, oh là là, vous êtes beaucoup trop jeune. Non, il va falloir encore attendre. OK? Et 20 minutes après, je vais dans une supérette, je reçois un coup de téléphone. Oui, centre de vaccination donc de ma ville. Vous êtes toujours partante pour vous faire vacciner? Je fais, oui, carrément. Sauf si c'est AstraZeneca, mais il dit oui, non, ça sera avec Pfizer. Vous êtes dispo vendredi? Je fais, mais carrément. Donc voilà. Donc vendredi, en plus, Eric se fait vacciner et moi, je me fais vacciner. C'est génial. Donc voilà, on n'en parle plus, ça sera fait. C'est parce qu'en fait, il y avait des doses de libre. Il y a des doses parce que, bon, je sais pas, je suis pas prioritaire, on est d'accord. Mais bon, ils rappellent les gens et c'est en fonction. Je pense qu'il y en a plein qui veulent peut-être pas se faire vacciner ou quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment envie que d'être tranquille pour cet été parce que le deuxième vaccin, donc la vaccination complète, ça sera mi-juin. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Il doit être pas loin de midi, donc Eric va pas tarder. Je vais préparer un petit truc pour grignoter. Et cet après-midi, ça y est, j'ai oublié. J'avais un truc, mais je ne sais plus. Bon, je reprends après. Je viens de me rappeler de ce que je dois faire. Déjà, je me suis changée parce qu'il caille. Je dois passer à la poste chercher des cartons prépayés pour envoyer en Indonésie, donc à Bali. Et je veux passer chez Action. Je pense que c'est ouvert. Je ne suis pas allée depuis ouf, une éternité. Chercher 4-5 petites choses qu'on trouve là-bas et je vais vous emmener avec moi. Bon, ça y est, j'ai été chercher le carton. Et j'ai changé d'avis, j'ai pas envie d'aller chez Action. Je préfère aller chez Leclerc, il faut que j'achète de quoi faire à manger et des petites salades notamment, parce que j'aurais pas le courage après d'y aller. Donc si vraiment, vraiment je suis motivée, j'irai après, mais je pense pas. C'est pas possible, c'est l'angoisse. Je vous reprends à la maison, je vous explique. Alors, que s'est-il passé? J'enlève ça parce que. Il fait chaud, ça y est. En une heure de temps, t'as le soleil. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps. J'étais à la caisse, donc j'avais juste un sac, mais un sac hyper rempli, avec notamment des conserves, des canettes de coca, c'était très lourd. Et ben, au moment de passer à la caisse, je prends le sac et je le pose sur le tapis roulant, et là, tout ça bloqué. Tout ça bloqué. Voilà, honte, je peux plus bouger, je peux plus rien faire. Et j'étais là, souffle, concentre-toi. Alors il y avait encore un monsieur devant, donc ça m'a laissé le temps. Et la douleur était de plus en plus forte. Je pouvais à peine mettre les trucs sur le chariot, c'est la honte. Et puis progressivement, c'est parti. Donc je me suis dit, rachète un deuxième sac de façon à équilibrer, parce que j'avais encore tout le chemin à faire à pied jusqu'à ma voiture et j'aurais pas pu le porter que d'un. Donc là, ça va mieux. Heureusement que c'est parti vite, mais parfois ça le fait et ça bloque complètement. Mais ça peut durer des heures. Vous aurez compris, tout s'est bien terminé. Par contre, je vais vous montrer retour de course qui change un petit peu. On va avoir pas mal de petites choses correctes. Donc déjà, on va être sur des pâtes complètes. Nutri-Score A. Pour moi, c'est plutôt intéressant par rapport à ma consommation et ce que je peux, ce que je ne peux pas prendre. J'ai envie de faire pas mal de salades. Donc là, je suis partie sur des cœurs de palmier sauvages. J'en ai pris deux bocaux comme ça. Du riz, version riz complet naturellement. Bon, s'ils le disent. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça. Oh là! Ouh!
il est bombé. C'est pas la première fois qu'il y a des trucs bombés comme ça. C'est pas bon signe en général quand c'est bombé. Je vais pas l'ouvrir. 26 mai pourtant. Non, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Hein. Je pense que je vais le ramener. Hein. Parce qu'une fois, j'ai eu une mauvaise surprise. J'ai repris le chavreau. Excellent, que je prends même au goûter. Camembert. Alors ça, c'est plutôt pour Eric. J'ai, la dernière fois quelqu'un me dit, j'avais pas vérifié, j'avais dit que je suis, c'est des tailles fines citron, et en fait c'était ananas, donc je m'étais plantée là, je lui ai repris, c'est bon, tailles fines citron. Des yaourts 0% de matière grasse à l'abricot et au, à la fraise. De nouveau les cœurs de palmier. Spaghetti, donc pareil, version complète. Le coca d'Eric, celui-là il m'a fait mal. Qu'avons-nous ? Des pommes de terre, je vais peut-être faire ça ce soir, je sais pas encore. De Noirmoutier, très très bon, colin d'Alaska, pommes de terre, des galettes, 8 minutes, c'est très rapide à faire, notamment comme je vous dis le midi. J'ai repris des noix, avec Eric on adore les noix et ça m'évite de manger des conneries, quoi, du chocolat, des machins. Donc si je veux grignoter, je me prends mes noix et vu que mon paquet arrive presque à terme, la feta quoi, en fait. Ah celle-là, elle, j'avais même pas vu, ah si, moins 25% de sel. Pour mes salades, pareil, quand tu grignotes mon pain azim, c'est pas, on peut pas dire que ce soit un délire, hein. C'est pas excellent, ça n'a pas vraiment de goût, mais bon, c'est pas autant de grignoter. Ça, j'ai repris mes marmentiers parce qu'on adore, et lui et moi, j'en ai fait l'autre soir avec des pâtes, notamment, très bien. J'ai pris quoi? Un petit peu de dinde, filet, donc c'est à poêler, ça avait l'air pas mal, bon. Ah bah il n'y aura plus qu'un pot, bravo. Donc qui a fait ça? C'est toi qui a fait ça? C'est pas possible Jackie. Tu descends, tu descends, maman elle est pas contente. En plus ça va se couper les pieds, allez descends. Merde. Oh bah heureusement que j'en ai pris deux pots, pourquoi pas. Je vous laisse, je nettoie. Enfin, je finis. Qu'est-ce qu'il reste tout ça? Mes avocats, ah ça y est, j'ai marché sur un bout de verre. Ça y est, j'ai nettoyé mon sol, mais 3,24€ la boîte de cœur de palmier quand même. Je vous montre, c'est ça le Colissimo, donc tu peux mettre 7 kg et 69€ ça coûte, donc prépayé je veux dire. Mais par contre pour tout ce qui est douane, apparemment faut plus, enfin faut que tu le fasses par internet. Et puis évidemment je vais le scotcher à bloc, hein. Que ce soit certain que ça s'ouvre pas. Voilà. Nous sommes le lendemain, je suis très contente. Pourquoi? Parce que le facteur a sonné et figurez-vous que j'ai reçu un nouveau cadeau en fait depuis 2 ans, soit pour la Saint-Valentin, soit pour la fête des mères. La marque Icewatch m'envoie un modèle de leur nouvelle collection. Et j'ai juste ouvert le carton, je fais « Oh !» Et je me dis « Je vais attendre, je ne sais pas quel modèle c'est, donc on va regarder ensemble. » Mais en général, c'est quand même très très chouette. Et là, si vous entendez un petit bruit, je suis en train de me faire manger. Regardez le boîtier, ça donne envie. Hein. C'est une édition limitée. Ah ouais. Oh, 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 c'est top. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle est un peu holographique. Et le bracelet comme ça, très coloré, très estival surtout. Elle est belle. Ah, c'est hyper original. Si je vous dis qu'il s'agit du modèle Sunset California, waouh, j'adore. Alors, je suis totalement libre, c'est-à-dire que même si je n'en parle pas, il n'y a aucun souci, ils me font un cadeau, voilà. Je vais monter tout ça dans mon bureau. Ah, regardez, le colis est prêt à être envoyé. Tant qu'à être dans des petites découvertes, j'ai également reçu ça ce matin. Alors, je vous explique. C'est donc la marque, je ne connaissais pas, Pure Baltic, et c'est vrai que je suis en recherche pour notamment ma box. Et j'avais vu avec cette marque, c'est une marque qui est basée à Cannes, mais le truc c'est que je ne crois pas que tout soit français. Et comme je veux mettre dans ma box essentiellement des choses françaises, donc j'étais en réflexion, ils m'ont dit bah, écoutez, on vous envoie ça, vous faites des tests, et c'est vrai que ça me donne vraiment envie. Ce sont des produits qui sont quand même naturels, vegan, éco-responsables. Oh, il va m'agacer. Et en fait, on a bah, des conditionneurs, du shampoing, des porte-savons. Ça se présente comme ça. Ça sent, mais ça sent bon. Donc on est sur du shampoing solide. C'est assez grand hein, en comparaison avec ma main. Et à l'intérieur, regardez, le produit solide. Et à chaque fois, c'est des couleurs assez flashy. Celui-ci est beurre, jojoba, huile et à la mangue. C'est le conditionneur. Est-ce que ça sent bon celui-là? Ouf. Je vais les tester. Donc je vais mettre le shampoing. Je ferai le shampoing, le conditionneur. Ah oui, c'est au charbon. Donc à voir. C'est plus purifiant et normalement, il est noir.
Oui, c'est ça. On va tester. J'ai également ceci 100% naturel, donc ça doit être le porte-savon. Oui, c'est ça, c'est le porte-shampoing même. Tu mets ton petit shampoing, comme ça, éviter que ça coule partout dans ta douche. C'est pas mal. Donc je vous dis, je vais tester, je vais réfléchir, mais c'est un produit qui ne me laisse pas indifférente. Pour l'heure, alors on dirait pas, mais je suis habillée, je suis en mode tranquillou. Je vais arrêter maintenant ce vlog parce que j'ai fait tout le colis là à envoyer. Il est scotché, j'ai fait la douane, j'ai fait tout ça. Et je vais aller envoyer ça cet après-midi, je finis le montage et on se retrouve vite pour... Il s'énerve tout seul. Ah oui, il est en vacances Eric, puisqu'ils font le pont aussi. Il reprend que lundi prochain. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et on se dit à très très vite pour un nouveau vlog et je vous invite... Eh bien, allez aussi sur ma page Ulule. Voilà, vous avez compris. Je vous fais un énorme bisou. Salut, ciao.